Des moteurs rugissants juste avant un petit décollage là, une bonne machine aussi hein. Donc un T51 Mustang, Mustang type D, keep up flight ready to cover. Donc il y a quand même une petite mise en œuvre de la machine pour le rendre. Voilà. Vent dans l'axe. Alors je peux vous dire qu'à Saint-Louis c'est assez rare. Alors profitez-en aussi d'avoir le vent dans l'axe. Voilà, sage précaution. Joli, joli. Bravo Pascal. Entre les pilotes américains et japonais, avec des batailles importantes comme Midway. Les îles Aléoutiennes, voilà le 0A, juste super moteur au dernier moment, mais largement suffisant pour le poser sur sa route. Alors on va aller le chercher pour dégager la piste. Donc, par M. Philippe Witz, du collège de Chaumont, Tuff Tuff. Département 52. Donc 2,16 m, 10 kg. Motorisé par un Rocky 35 cm cubes.
Le Morane 406 est en l'air. Voilà, alors Jean-Luc... Comme la fumée est au ras du sol, l'avion est passé au ras du sol. Corsair est son fusil. Voilà, dessiner des arabesques dans le ciel. Un petit passage à l'anglaise. Jean-Tulane, des forces aériennes françaises libres, basées à Rayak en Syrie. Allez, donc là, on va encore profiter de ce soleil qui nous aura fait passer une belle journée. Donc voilà, alors Morane 406, Jean-Luc Parizeau, Saint-Simon. Eric, Eric, oh, oh, on attend ici du carburant. Le Morane 406 à l'atterrissage. Après 3-4 heures de vol et quelques dizaines de minutes de combat, le pilote revenait souvent très fatigué et les atterrissages n'étaient pas toujours aussi faciles qu'à l'école. Le cône de Jean-Claude, il est mort. La machine est revenue. Qu'est-ce qu'il a eu pour que ça se fait ? Il y a une fête qui est partie. Abby Burrington a amené son corsaire. Allez-y, allez-y.